So this morning we talked about the different roles in the classroom. On a parlé des différents rôles dans les salles de classe. And the tension, the importance of healthy tension. Et la tension et l'importance de la tension saine. And as we were listening to the feedback from your group, alors qu'on reçoit le feedback de vos groupes, some question came up about how to deal with different roles. Et il y a des questions qui sont ressorties. Comment est-ce qu'on peut faire avec certains rôles? What to do when there is a base leader, but there is also a school leader, and how to deal then with that? Comment faire quand il y a un responsable de base à la fois un responsable d'école? And we just want to give you some more principles and tools how to process, how to think about that. On va juste vous donner des outils à comment vous pouvez réfléchir sur ça. And so Pete is just sharing what is on his heart and what he's also teaching when he does his DTS workshops. Donc Pete va nous enseigner ce qu'il a sur son cœur et en même temps ce qu'il enseigne quand il fait les ateliers de l'école de disciples. So I was looking where Pete is. So please, Pete. Okay, yes, so this morning, you'll remember we had the four people here with a piece of string that they were pulling backwards and forwards. Donc vous vous rappelez, ce matin, on avait les quatre personnes qui avaient la corde là et qui étaient en train de montrer la tension. And we're talking about that tension that we have in our leadership. Et donc on parlait de cette tension qui existe dans notre leadership. And we're saying that tension is a good thing. Et on a dit que cette tension c'était une bonne chose. And you can probably think of many situations that you're dealing with right now where it doesn't feel like a good thing. Et puis vous pouvez peut-être penser maintenant à plusieurs de vos situations où franchement quand il y a de la tension, vous ne pensez pas que c'est une bonne chose. Yeah, either things have gone really slack, or you're having like a war tugging on this string. Des choses où c'était plutôt où la corde était plutôt détendue, ou bien où vraiment elle était trop tirée. So my goal in the next few minutes is to just tell you some stories from my own leadership. Et là, mon but, c'est que j'aimerais vous raconter quelques histoires, ou bien quelques récits, il faut que je vous dise maintenant, quelques récits dans mon leadership. And to point out some principles that will be useful to you. Et pour que vous puissiez découvrir certains principes qui vous seront utiles. Yeah, so my stories are going to take place in Amsterdam and South Africa in cultures different to your own. Et donc c'est vrai, ces histoires se sont passées à Amsterdam ou bien en Afrique du Sud, et peut-être c'est différent pour vous. But the principles translate into all cultures. Mais tous les principes peuvent être traduits dans toutes les cultures. And hopefully I won't take too long, and you can have a little bit of thought then about how to actually translate this into some of the situations you're dealing with. Et donc j'espère que je vais pas prendre trop de temps, et puis que vous arriverez vraiment à traduire ce que je vais dire dans votre propre situation. Okay, so I did my DTS in January 1987. Donc moi j'ai fait mon école de disciples en janvier 1987. When I came on staff later that year, my wife and I came on staff. Et donc ma femme et moi nous sommes devenus membres du personnel plus tard dans cette année. And it was about we staffed a DTS. Et on a encadré une école de disciples. And then so probably about a year and a half into our process of staffing, we staffed our second DTS. Et ensuite, une année et demie après, nous avons encore encadré une deuxième école de disciples. Okay, the reason I give you this bit of background is I've not yet led a DTS. Et je veux que vous compreniez que dans mon arrière-plan, en fait, je n'ai jamais dirigé une école de disciples. I still feel very new in the mission. Je me sens toujours nouveau dans la mission. I'm asked to lead an outreach. J'ai demandé de diriger une phase pratique. One of the students on my outreach team is David Cunningham. Et un des étudiants dans ma phase pratique, c'était David Cunningham. Yeah, I feel a little bit of pressure. Et je sentais un petit peu de pression quand même, de tension. I know all the mistakes I make. Et je sais toutes les fautes que je peux faire. They will be known by Loren and Darlene. Tout ça va être connu par Loren et Darlene. Okay. But to add to my pressure, mais pour rajouter à cette pression, the outreach, we had big DTSs in Amsterdam, and this particular outreach team had, I think, 26 students. Et nous avons des grandes écoles de disciples à Amsterdam, et je crois que celle-ci en avait 26. And I was taking this team to the United States, to New Orleans. Et j'ai emmené cette école aux États-Unis. We were going to be there for Mardi Gras. For Mardi Gras, yeah. Mardi Gras, on allait être là-bas pour Mardi Gras. And to work in the poor neighborhoods they call the projects. Et donc nous allions travailler dans des quartiers pauvres avec toutes sortes de projets. I was leading this team with two other people. Et je dirigeais cette équipe avec deux autres personnes. One was my wife. Une était ma femme. And the other one was a lady named Pam. Et la deuxième, c'était une femme qui s'appelait Pam. Everything was set up beautifully. Tout était bien préparé. And we were going off to have this wonderful outreach. Et nous sommes envolés pour avoir cette super phase pratique. It was going to be the best ever. Ça devait être la meilleure. David was going to report back to Loren about what a great leader I am. Et puis David allait raconter à son père combien Pete est un bon leader. Once we started into the whole leadership process. Et quand on a commencé à travailler dans le comment gérer le leadership, I realized that leading with my wife and another woman has complications. Et j'ai commencé à réaliser que le fait de diriger avec ma femme, en plus une autre femme, il y a des complications à cela. Yeah. Why this never occurred to me before, I don't know. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais réfléchi à ça avant. But before long, I started to realize if I don't have a strong opinion about a matter, but my wife and this other lady have opposing opinions, I'm caught in the middle. Et j'ai réalisé que si moi, je n'ai pas une opinion forte sur quelque chose, et puis que ces deux femmes, par exemple, entre elles, elles ne se comprennent pas, moi, je vais être coincé entre les deux. And I am the overall team leader. Parce que moi, je suis quand même le leader en dessus de tout le monde. Et donc, ben voilà, c'est moi qui dois décider est-ce que ça va aller de ce côté ou est-ce que ça va aller de ce côté-là. Really et puis, souvent, je n'avais même pas une opinion très, très forte. But if I agree with my wife, est-ce que je vais être d'accord avec ma femme? Yeah, the other lady, well, of course he agrees with his wife. Mais l'autre femme va dire, bah, c'est sûr, il est d'accord avec sa femme. Yeah, and if I agree with Pam, et si je suis en accord avec Pam, yeah, and I'm worried that sometimes outreach decisions might follow me into the bedroom. Et donc, je commençais à me faire du souci que finalement, certaines décisions à prendre dans cette phase pratique allaient me suivre jusque dans la chambre à coucher. Ouf, finalement, c'est plus compliqué que ce que je croyais. So one of the great things about having Loren and Darlene's son on your outreach. Et une des choses merveilleuses, une des choses d'avoir le fils de Loren et Darlene dans ta phase pratique. They like to come and visit their son on outreach. Eux, ils aiment venir pour visiter leur fils pendant la phase pratique. So they weren't able to visit at the same time, but first Darlene came to visit. Ils sont pas venus ensemble, mais d'abord Darlene est venue. And so when she came, I said, Darlene, I've got to talk to you. Et quand elle est venue, j'ai dit, Darlene, il faut que je te parle. Yeah, help me. Et il faut que tu m'aides. Et donc j'ai expliqué la situation du leadership dans lequel j'étais. Et donc elle s'est d'abord assise avec Michelle et moi. And she said one of the things that her and Loren had learned was to do something that they call identifying which hat they are wearing. Et une des choses que elle et Loren pratiquent depuis longtemps, c'est en fait il faut que dans les rôles qu'ils sont là, il faut qu'ils identifient quels sont les chapeaux qu'ils portent. Yeah, so she gave me a story from early days in YWAM. Et elle m'a raconté une histoire des premiers jours à Jeunesse en Mission. We've changed the terminology that we've used over the years, but I think in the days she was talking about, there was an international council. Et je crois que de l'époque dont elle parlait, il y avait un conseil international. So she said in those days, she was part of an international council. Et elle dit à cette époque-là, elle faisait partie de ce conseil international. And Loren was being asked to go and travel across the globe to some situation that needed his attention. Et donc Loren, on lui avait demandé d'aller de l'autre côté du globe pour aller faire quelque chose dans une situation. And so he was getting input from people about, you know, should I go, should I not go? Et donc il était en train de recevoir des conseils des uns et des autres, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois pas partir? And when he asked Darlene, et quand il a demandé à Darlene, She said, wearing my international council hat. Alors que je suis là avec le chapeau du Conseil international. You must go and deal with that situation. Tu dois aller et t'occuper de cette situation. If you don't go, it's going to get out of hand. Si tu n'y vas pas, ça va mal tourner. And as a international council member, I say you need to be there. Donc, en tant que membre de ce Conseil international, je te dis que tu dois partir. Enlève le chapeau. As your wife. Mais maintenant, en tant que ta femme. Yeah. You've been traveling too much. Ça fait, tu voyages beaucoup trop. You need to be here with the children. Tu dois être ici avec les enfants. Yeah. Now, I probably haven't quoted it exactly right, but that was the gist of that conversation. Bon, c'était à peu près. J'ai pas dit exactement tous les mots qu'elle a dit, mais c'était ce genre de conversation. Yeah. She and Loren had learned how to identify which roles they are taking, and when they're speaking to each other, which hat they are wearing. Donc, elle et Loren avaient essayé d'identifier les rôles dans lesquels ils travaillaient, et quand ils se parlaient l'un à l'autre, quel était le chapeau qui était sur leur tête pour dire les choses qu'ils disent. Yeah, and this is what my wife is Michelle. This is what Michelle and myself and Pam needed to hear to understand. Okay, how do we make these decisions on this team? Et donc c'était ce que ma femme Michelle, moi-même et Pam avaient besoin d'entendre pour comprendre comment prendre les décisions pour dans cette équipe. And Pam was no longer concerned when I made a decision in agreement with my wife. Pam could understand I'm wearing my DTS leader, the outreach hat right now. Et donc Pam après pouvait comprendre que quand je prenais la décision en accord avec ma femme, c'était pas parce qu'elle était ma femme, mais c'est parce que je portais le chapeau du responsable de l'école de disciples. This isn't my husband hat. Ce n'était pas le chapeau ce n'était pas mon chapeau de mari. It also helped my wife and I when we were talking about leadership issues. Et ça m'aidait aussi avec ma femme quand nous parlions de questions de leadership. Because sometimes you have leadership discussions, husband and wife, in the evening. Parce que des fois, vous parlez de ces choses le soir avec votre conjoint. Et tu sais, dans les rencontres de leadership, quand vous avez ces discussions, est-ce que je te parle maintenant de la même manière que je parlerai à tous les autres membres de l'équipe de leadership? Very helpful to identify this. Donc, ça aide beaucoup à pouvoir identifier cela. Yeah. It's very helpful in leadership teams because you'll know those times when you've had a discussion as a team. Parce que c'est quelque chose qui nous aide beaucoup dans les équipes de leadership, parce que vous savez les moments où vous avez une discussion au sein de l'équipe. And then the leaders come back in the next day and seems to have a different story. Et puis another leader comes in. Oui, donc un autre leader vient et puis lui il a une autre histoire ou une autre manière de raconter l'histoire. Et donc tu réalises que il y a eu une influence là par rapport à, pour prendre cette décision, mais qui vient de l'extérieur de la pièce. Yeah, so this way by having hats you can sort of say okay, this is why I'm making the decision I'm making. Donc en ayant des chapeaux, c'est ça qui va t'aider à prendre la décision que tu vas prendre. So to take the story a little further, donc pour amener l'histoire un peu plus loin, Darlene leaves, we wave goodbye to her. On dit au revoir à Darlene. And a few weeks later, Loren shows up. Et puis quelques semaines après, c'est Loren qui vient. Okay, I have to tell you one sort of side story with this. Mais il faut que je vous raconte une histoire encore à côté pour cela. Loren's coming and I really want to impress him that I'm the best outreach leader ever. Et donc Loren arrive et moi je veux vraiment l'impressionner pour qu'il voit que je suis vraiment un très bon leader. And Mardi Gras is there, so there's big parades happening. Et à Mardi Gras là, il y a une grande parade qui va se passer. And I've got this location where we're going to be able to do an outreach right before the parade starts. So there's going to be tens of thousands of people in the area. Et puis là, nous on va faire une phase pratique de l'évangélisation juste avant qu'il y ait cette grande parade là. Il va y avoir beaucoup de monde. But the day before, mais le jour avant, I realized there was a requirement to do with insurance. J'ai réalisé qu'il y avait une exigence par rapport à une assurance. Yeah. So obviously there are issues in the United States. You can have some pretty hefty lawsuits if things go wrong. Et aux États-Unis, si tu fais les choses de travers, tu risques d'être poursuivi en justice. And the place we were going to be doing our dramas and things, we needed to be covered for millions because there was all this activity in the area. Et donc là où on allait faire nos petites pièces de théâtre, on devait vraiment être couverts. So at the last minute, I had to change the location of this outreach. Et donc à la dernière minute, j'ai dû changer le lieu de cette évangélisation. We ended up in this remote part of New Orleans. Et puis finalement, on est arrivé dans un endroit bien retiré. We're in a park. Et on était dans un parc. Seriously, I'm sending my team out to stop joggers and cyclists and say, you must come, we need you. Et moi, j'ai envoyé les gens qui, les étudiants de l'équipe pour dire, allez maintenant dans les rues et allez chercher tous les gens qui sont en train de faire du jogging ou qui sont en train de marcher. So Loren got to see his son doing this outreach with two people. Et donc Loren a assisté à cette phase pratique, à ce temps d'évangélisation. Il a vu son fils évangéliser devant deux personnes. But I was humbled. J'étais humilié. Anyway, that's not the point of this story. Mais ce n'est pas le point de cette histoire. Just after, with Loren coming. Avec la venue de Loren. I think he'd been there with us. It was the first day he was with us. C'était le premier jour qu'il était avec nous. He came to me and he said, I've spoken with David. Il est venu et a parlé avec David. Yeah, he's with his son David. Oui, il a parlé à son fils David. And I believe that on Tuesday night you have a free evening. Et je crois avoir compris que mardi soir tu as une soirée libre. Do I have your permission to take my son to the restaurant on Tuesday evening? Est-ce que j'ai la permission de prendre mon fils et de l'emmener au restaurant mardi soir? Now remember, I've been staff in YWAM about 18 months, maybe. Et ça faisait à peu près 18 mois que j'étais membre du personnel à Gem. And I'm standing there, I'm trying not to let my jaw drop open. Et j'essaye de pas avoir ma mâchoire là qui tombe. Loren Cunningham is asking my permission. Loren Cunningham me demande la permission d'emmener son fils au restaurant. I mean, I could have said no. J'aurais pu dire non. Yeah, there was no pressure on me. Il n'y avait pas de pression. Loren's asking my permission to take his son out to a restaurant. Quoi? Vraiment, Loren me demande la permission pour emmener son fils au restaurant? And of course, I remembered what Darlene had been telling us about the hats. Et je me suis rappelé ce que Darlene nous avait dit par rapport au chapeau. Right now, Loren is not the president of the university, founder of the mission. He's not wearing all of those hats. À ce moment-là, Loren n'était pas en train de porter le chapeau du président de l'Université des Nations. Right now, Loren is a parent of a student. Juste à ce moment-là, Loren était le père d'un étudiant. And I am in charge of this outreach. Et c'est moi qui suis responsable de cette phase pratique. And Loren submits to me. Et Loren se soumet à moi. And suddenly, all kinds of things start to fall into place in my thinking. Et tout d'un coup, dans ma tête là, c'est comme si toutes les choses se mettaient en place. If there were things I was doing wrong with that outreach. Et s'il y a des choses que je faisais de travers dans cette phase pratique. Loren could have lovingly pointed it out and said, Pete, that is not YWAM. You are violating our values. Et Loren aurait pu me dire, Pete, ce n'est pas comme ça qu'on le fait. Tu es en train de violer nos valeurs. He would have put on his founder of the mission hat and he would have told me what I needed to change. Il aurait pris son chapeau de fondateur de la mission. Et il m'aurait dit, voilà, c'est ça qu'il faut changer. But in this circumstance, he's putting on his father's hat and he's saying, "You are the leader. I submit to your leadership." Mais dans cette situation, il a sur sa tête son chapeau de papa et il se soumet à moi, qui suis le leader de cette phase pratique. So, because of this input from Loren and Darlene, it has been much easier for us in these leadership tensions. Et donc, à cause de ce que Loren et Darlene nous ont appris, ça a été tellement plus facile pour nous de gérer ces domaines de tension. When we were back in the main training building in Amsterdam. Et quand nous sommes revenus au lieu de la formation à Amsterdam. I was the director of the DTS is there, 4 DTSs a year. Et j'étais le directeur là pour les écoles de disciples. Et il y avait 4 écoles de disciples par année. My wife was the building manager, a large building that can hold probably about 100 people or so. Et ma femme était la manager de toute cette grande base qui how many people? It would sleep more than 100. Qui avait peut-être plus que 100 lits. And so she was the building manager. I was the DTS director. Et donc elle était l'administratrice ou je sais pas manager de la base de Gem et moi j'étais le responsable de ces 4 EFD. On certain occasions she is coming asking my permission for things, on other occasions I am going and asking her permission for things. Donc pour certaines situations, c'est ma femme qui vient vers moi pour me demander la permission de faire quelque chose et dans d'autres situations, c'est moi qui vais vers ma femme pour lui demander la permission pour certaines choses. Yeah. I am her boss, she is my boss. Je suis son patron, elle est mon patron. The same way, Loren submits to me, I submit to Loren. De la même manière que Loren se soumet à moi et moi je me soumets à lui. When the scriptures require us to submit to one another, et quand l'Écriture nous demande de nous soumettre les uns aux autres, it's not talking about some sort of a hierarchy where there's we all have to submit in one direction. Et ce n'est pas en train de parler d'une hiérarchie où nous devons nous soumettre seulement dans une direction. We submit ourselves to one another. Nous nous soumettons les uns aux autres. When you invite me to come and speak on your DTS, si vous m'invitez pour venir parler dans votre EFD, I submit to you as the school leader. I am the speaker in your school. Je vais me soumettre à toi qui est le responsable de l'école en tant qu'orateur. I start to notice that you don't have enough teaching hours in your school. Et je suis en train de voir que tu n'as pas assez d'heures de cours dans ton école. Yeah. I put on my international DTS center hat. Et donc à ce moment-là, je mets mon chapeau de directeur du centre international des EFD. And I say, as one of the members of the international DTS center team, I tell you your DTS does not meet the requirements. Et en tant que directeur international du centre DTS, j'aimerais te dire que ton école de disciples ne satisfait pas les exigences des écoles de disciples. How are you going to change that? Et comment est-ce que tu vas changer cela? And I make sure they change it. Et ensuite, je m'assure que le changement se fera. I take the hat off. Et j'enlève ce chapeau. As your guest speaker, how can I serve you? Et maintenant, en tant qu'orateur, comment est-ce que je peux te servir? Yeah, and if they say, Pete, I want you to stop after half an hour so we can process. Et s'ils me disent, Pete, est-ce que tu pourrais t'arrêter après une demi-heure pour qu'on puisse réfléchir à ce que tu viens de dire? Yeah, I don't say, as the international DTS center member, you don't tell me what to do. Et je ne dis pas avec le chapeau de l'EFD, de directeur, non, c'est pas à toi à me dire ce que je dois faire. I say, no, you're the school leader. I will work with you with this. Non, c'est sûr que je vais travailler avec vous. Okay, now my wife and I have had some really funny situations with this. Et donc ma femme et moi nous avons eu des situations assez intéressantes. Funny now, horrible at the time. Et c'est aujourd'hui j'en ris, mais c'était horrible au moment où ça se passait. I remember one situation. Yeah, I won't go into all the details. There was a staff member in my school who I was having to send home for being inappropriate in his interaction with the female students. Et donc, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais j'avais un membre du personnel dans l'équipe, et il y avait un problème où le comportement n'était pas bon par rapport aux femmes de l'équipe. Yeah. As is usual with these situations, there are a number of the ladies who knew what had been happening and were well aware of it before I was. Et puis, bien sûr, il y avait déjà plusieurs jeunes filles de l'équipe qui étaient conscientes de tout ce qui se passait, même bien avant que moi j'en sois informé. The way that I handled it was not swift enough for many of them. Et la manière dont moi j'ai géré la situation n'était pas assez bonne pour elles. I had leaders on both sides of this conflict who were on my case. Et j'avais des leaders de chaque côté de ce conflit. My wife Michelle was part of the leadership team who had a say in what happened. Et puis ma femme Michelle faisait partie de l'équipe de leadership qui a dû raconter ce qui s'est passé. So I get back to my apartment absolutely exhausted from this situation. Et donc je retourne dans mon appartement complètement épuisé par rapport à cette situation. My wonderful wife meets me at the door. Et ma femme merveilleuse me rencontre à la porte. She says, let's just step outside the house a second. Et allons juste un petit peu en dehors de la maison une seconde. Yeah, that's a bad sign. Ça, c'est pas un bon signe. Let's have this conversation outside. Et avoir cette conversation à l'extérieur. She says, I'm putting on my DTS leadership hat. Et je te parle avec mon chapeau de l'équipe de leadership EFD. As part of the leadership team. Donc, en faisant partie de l'équipe de leadership, and then she went on, et ensuite elle a commencé à dire, to tell me in very clear terms where she thought I'd gone wrong with my decision making and how this had become such a mess. Et elle m'a dit en des termes très clairs là où je m'étais trompée, où je n'avais pas pris les bonnes décisions, et que maintenant tout était chaotique. For those of you who know my wife, you know she works from good principles. Pour ceux qui connaissent ma femme, elle travaille avec des principes précis. She never made it personal. Et she never made it personal. Didn't make it personal. Pour elle, les choses, elle ne les approprie pas en tant que personne. And she spoke to me just the same way she would do to anybody else in leadership who she thought had made those mistakes. Et donc, elle s'est adressée à moi exactement de la même manière qu'elle l'aurait fait avec un autre membre de l'équipe. Elle m'a dit, tu as commis une erreur. When she put on that leadership hat, she put on that leadership hat. Donc, une fois qu'elle a ce chapeau du leadership sur sa tête, il est là. When she was finished, quand elle a terminé, she took off the hat. Elle a enlevé le chapeau. She says, Pete, et elle a dit, Pete, as your wife, en tant que ta femme maintenant, I can see you're having a really tough day. Je vois que tu as vraiment une journée difficile. Can I make you some lunch? Je crois que ce serait bien que tu ailles te préparer un repas. I said that would be great. Oh, j'ai dit oui, ça serait super. So we go into the house. Et donc on est allé dans la maison. Because this thing was such a big issue and everybody was talking about it. Parce que cette situation était devenue tellement grande que tout le monde en parlait. While I was eating my lunch. Et pendant que j'étais en train de prendre manger mon repas. The phone kept ringing. Et il y a eu des téléphones. There were lots of people who wanted to have a go. They wanted to chew my ears and tell me how I'd messed up this situation. Et il y avait beaucoup de gens qui voulaient me parler et qui voulaient bien me dire combien j'avais eu tort dans ce que mes décisions. Every time the phone would ring, she'd say, "Don't you worry about the phone. I'm your wife. I'll take care of this." Et chaque fois que le téléphone sonnait, elle disait, "Ne te préoccupe pas du téléphone. Je suis ta femme. J'en prendrai soin." Yeah, she'd pick up the phone and the person would say, "I need to speak to Pete about." Donc elle prend le téléphone et puis la personne dit, "J'aimerais bien parler à Pete." And she say no. Elle dit non. Et je suis sa femme et il a besoin d'une pause et maintenant c'est la pause. Et parce que les gens qui téléphonaient allaient me dire exactement ce qu'elle m'avait dit. Et je crois que les gens au téléphone allaient vraiment l'appuyer sur ce qu'elle avait dit. But now she's not looking for people to back up her argument. She's looking to protect her husband and give him a good lunch. Elle n'est pas en train de chercher des gens pour appuyer ce qu'elle a dit. Okay. Elle est en train d'essayer de voir son mari avoir un bon repas. So it's become so normal to us now that when we're talking, often the conversation will begin. I'll say, "What hat are you wearing right now?" Et c'est devenu tellement normal que, en fait, quand nous partageons tous les deux, je lui dis, "Attends, tu portes quel chapeau là maintenant?" Yeah. So I am so grateful to Loren and Darlene for those conversations. Et donc je suis tellement reconnaissant d'avoir eu ces conversations avec Loren et Darlene. Because it helps us clarify our roles. Parce que ça nous aide vraiment à clarifier nos rôles. Yeah. And then I take that into other leadership settings. Et ensuite je prends cela dans d'autres situations de leadership. And if I'm speaking up, I'll speak up. I'll say, I am saying this as International DTS Center member. Et souvent quand je parle, je dis, voilà, je suis en train de vous dire ceci en tant que directeur du Centre international des EFT. Yeah. Often when I'm teaching, et souvent quand j'enseigne, I'm teaching in a DTS on, say, the nature and character of God. Si par exemple j'enseigne dans une école de disciples la nature et le caractère de Dieu, and something will come up which is a contentious theological issue. Et s'il y a quelque chose qui sort de cet enseignement et qui est un domaine de discussion théologique. And I will say, there are YWAM leaders who hold this. There are YWAM leaders who hold to this. Et je veux dire, par rapport à ce sujet, il y a des leaders gémiens qui pensent ceci, et puis il y a des gémiens qui pensent cela. Usually, I will not even give my own personal opinion. Et souvent, je ne donne même pas mon opinion personnelle. Sometimes I do because I say, okay, I do have my own line of theology, and that will influence what I'm teaching this week. Et puis des fois je le dis parce que je leur dis, bon, moi aussi j'ai ma propre pensée théologique et c'est ça qui va influencer un petit peu mon enseignement cette semaine. Et donc c'est bien de le dire cela pour que les étudiants puissent aussi voir qu'il y a des gens qui ne pensent pas la même chose. Mais quand je donne mon opinion personnelle, je m'assure que les étudiants voient que j'ai ce chapeau sur la tête. This is what Pete thinks. Ça, c'est ce que Pete pense. There are wonderful leaders in youth with a mission who think different to this. Mais il y a des leaders formidables à Jeunesse en Mission qui pensent différemment. We are international and interdenominational. Nous sommes internationaux et interdénominationnels. Yeah. And by going through that process, et en passant par ce processus, it helps me direct people. Go and read this book. This is a book that I don't agree with where it lands, but it gives the other side of the story. So to tell them not to read. Tell the story. No, I tell them to read it. Oui, donc ça va m'aider peut-être à dire à quelqu'un, écoute, lis ce livre, même si je suis pas d'accord avec le livre, mais ça va t'expliquer l'autre côté de l'histoire. So you'll take this principle, wearing the hat, you'll take it into all kinds of different settings. Donc quand tu enseignes et que tu as ce chapeau, tu peux l'emmener dans toutes sortes différentes de situations différentes. Yeah. And sometimes you'll be with people who don't talk about what hat they're wearing because they haven't chatted to Loren and Darlene. Et puis, souvent, tu vas parler avec des gens, ils ne vont jamais te dire quel chapeau ils portent parce qu'ils n'ont pas parlé avec Loren et Darlene. Mais si vous comprenez ce principe, vous pouvez les aider à clarifier. Attends, tu es en train de me dire ça en tant que leader de base ou tu es en train de me dire ça juste en tant que frère dans la foi? Il y a une différence. As brothers and sisters in Christ, en tant que frères et sœurs en Christ, we are all absolutely equal with one another. Nous sommes tous égaux les uns les autres. There is no hierarchy. Il n'y a pas de hiérarchie. If Jesus were to return right now, si Jésus revenait maintenant, and he was to walk in here, et qu'il devait marcher ici à l'intérieur de la salle, he doesn't care about YWAM structure. Lui, il n'est pas intéressé par la structure de Gem. So now we need structure. On a besoin de la structure. And we need some way of being organized so there's not complete chaos. Et on a besoin de gens qui organisent pour que ce soit pas trop le chaos. So that's why we have those hats. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ces chapeaux. But at the most basic level, we're all absolutely equal with each other. Mais au niveau de base, nous sommes absolument égaux. Et la plupart du temps, nous nous soumettons les uns aux autres parce que nous sommes tous des frères et sœurs égaux. Donc, si le directeur de la base vient me voir et il a quelque chose à me dire, mais en tant que frère en Christ, then we talk as equals. Et donc là, on est en train de parler en égaux. I go to the newest DTS student who has just walked in. Et je vais voir un étudiant de l'école de disciples qui est tout nouveau, qui vient juste d'arriver. And we're talking to each other about life. Et on parle ensemble de la vie. We are equal. On est égaux. If I see him stealing or lying, I will confront it. Et si je le vois en train de mentir ou en train de voler, je vais le confronter. If he sees me stealing or lying, he must confront it. Et s'il me voit moi en train de mentir et de voler, il va me confronter. We're brothers in Christ. Nous sommes frères en Christ. But he can't come in and start telling me what can be and can't be in a DTS. Mais il ne peut pas venir vers moi et me dire ce qui doit être fait ou pas dans une école de disciples. Là, j'ai un chapeau du Centre international des EFD et là, je peux dire ce qui doit être fait ou pas. I think I've said enough. Je crois que j'ai assez dit. So, yes, can I throw the microphone in your direction to process this? Donc, est-ce que je peux donner le micro à Alec? Because these principles go cross-cultural. Parce que ces principes vont dans toutes les cultures. But you may have some slightly different ways of you have different shaped hats and hats that look a little different. Mais peut-être que les chapeaux ont des formes différentes. Alors bon. So what we would like to do just to end off this afternoon. Donc ce qu'on aimerait faire juste pour terminer cet après-midi. Is we'd like you to turn in pairs to one another. De vous mettre par deux. And think about the different hats that you wear. Maybe you're a father. Essayez de réfléchir aux différents chapeaux que vous portez. Peut-être tu es un père, a husband, a school leader, tu es un mari, tu es un responsable d'école, tu es un étudiant, a base leader, tu es un leader de base. And these roles change for me constantly. Et ces rôles changent constamment. Je suis le doyen de la faculté de communication et pourtant je suis un étudiant parce que je suis en train de faire un master. Et donc j'aimerais que vous vous tourniez vers l'autre maintenant, et vous disiez voilà tous les chapeaux que moi je porte. Quel chapeau toi tu as? Quels sont tes rôles différents? Et comment est-ce qu'on peut en discuter ensemble?